Beurre FM, la semaine de nounours. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. This is bad work for life. Good morning, la France. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Sauf à Jean-Paul Delevoye et Mask Singer. Mais quelle escroquerie cette émission, mon Dieu! Des stars derrière un masque. Ok, on a vu des déguisements, on a vu des masques, mais les stars, ils les mettent quand? La saison 2, c'est comment? Parce que, excusez-moi les gars, à part la pub Always, je n'ai pas vu de stars. Et sans déconner, mettez-vous à la place de ces gamins qui regardaient l'émission, tu vois, tout enthousiastes. Et voici, caché sous le tagine, Smaïn. Imagine la réaction de ces gamins qui découvrent Smaïn. Mets-leur un caissier d'Auchan, frère, c'est la même. Tu vois, j'ai envie de te dire, c'est comme si t'achètes un Kinder Surprise à ton gamin, il l'ouvre super content, ouais, 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 et pof, il découvre un paquet de clopes ou un sonotone. Mais là où TF1 aurait dû bluffer le monde, et je te jure, au moment de retirer le masque de la licorne, je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'ils allaient nous éclater, TF1, tu vois. L'animateur, il est là, il arrive, et tout avec le suspense. Et sous la licorne se cachait Xavier Dupont de Ligonnès. La vie de ma mère, record d'audience, ils éclatent le pof. Bon, Jean-Paul Delevoye, tu nous as fait quoi, frérot? Le monsieur retraite du gouvernement. Il nous a fait quoi, frérot? A reconnu avoir omis de déclarer sa fonction d'administrateur en déclarant 13 mandats, dont 11 bénévoles. Hashtag emploi fictif. Il n'a pas respecté les règles, il a oublié de déclarer des activités, début d'Alzheimer, il a 72 ans. Au final, hein, tu vois, comme quoi il ne faut pas travailler passé 50 ans, trop dangereux. On pourrait avoir des oublis, tu vois. Et surtout qu'il a un talent de ouf, car à lui tout seul, il a fait baisser la courbe du chômage en libérant 14 postes. Ah, énorme le gars. Notre président, monsieur Macron. Salut Manu, si tu nous écoutes. Pour son déplacement en Côte d'Ivoire, il a invité le chanteur VG Dream, tout le monde connaît. Bah oui. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus. Ok. Allez. Bah voilà. Quoi? Que devons-nous comprendre, Manu? Ok, donc pour son déplacement à Mykonos, il invitera Bilal Hassani. Pour son déplacement à Tchernobyl, il ira avec les frères Bogdanov. Au Bois de Boulogne, il invitera Neymar. C'est pas sérieux, non, ça. Faut me dire. Non, non, parce que c'est bizarre, tu vois. Dernièrement, il est parti, tu vois, faire rénover le plus vieux musée en France. Et il n'était pas accompagné de Brigitte. Hein. Oh. Peut-être. Moi, j'ai dit non. Mais attends. Non. Peut-être qu'elle l'accompagnera au musée des vieilles œuvres. Sans transition aucune, la nouvelle saga de Star Wars au cinéma. Quel kiff, elle est sortie. Bien sûr, j'y suis allé, un chef-d'œuvre. Par contre, les gars, la vie de ma mère, évitez d'y aller au cinéma de Ronny 2 ou Megarama. Non, non, sérieux, c'est une MJC de Secpa là-bas. Ça gueule, ça crie. Et tu vois, j'étais surpris parce qu'ils arrivaient à construire des phrases. Va te faire bip, espèce de bip, mais sale bip. Tu vois, mais c'est de ma faute. J'aurais dû comprendre quand j'ai vu que sur le parking, il n'y avait que des places d'handicapés. J'aurais dû. Tu vois. Ah, c'est dégueulasse. Et je sais pas si vous avez fait le lien. Mais Star Wars, c'est un peu l'histoire d'une famille en France, tu vois. La famille Le Pen, le combat contre les forces noires, obscures, problème avec son père, Marine toujours au Sky, whisky mais pas n'importe lequel, Skywalker, tu vois ce que je veux dire? Et comme chaque semaine, les amis, on a des informations toutes chaudes qui nous sortent du four, qu'on appelle le « Ça sort du four !» Élection présidentielle en Algérie, Abdelmajid Tebboune élu président. Ah, excusez-moi. Allô? Ah d'accord, j'en parle pas, excusez-moi. Désolé, c'était le gouvernement algérien. Muriel Pénicaud annonce un salarié au SMIC touchera 15 euros de plus par mois en 2020. Tout de suite retweeté par le rappeur Booba. Mais qu'est-ce que je veux faire de tout cet oseille? La nouvelle saga Star Wars, enfin bon. Au cinéma. Tout de suite retweeté par Marlène Schiappa.
Ah, j'adore tellement Star Wars. Je me suis pas épilé depuis 1993 pour ressembler à Chewbacca. Grève, SNCF, RATP, retard incalculable, peuple en colère, des retards tout de suite retweetés par Air Algérie. Ah, chez nous, c'est comme ça toute l'année, alhamdoulilah. Le peuple, il se plaint pas. Les amis, je m'appelle Nounours. Si tout comme moi, vous venez de comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Voilà. Et avant de laisser ma place à ce grand monsieur, sallallahu alayhi wa sallam, astadi ala qarbi baram. Élevé à l'huile d'olive et au dakatine, hein, faut le savoir. Non, juste une chose, les amis. Ce soir, je joue mon spectacle à Saint-Priest. J'aimerais vraiment, tous les jours je suis chaud frère, j'aimerais donner de la force à des sœurs vraiment qui nous écoutent actuellement, qu'on construit une école pour une école musulmane, tu vois. Et ce soir, on fait un gala pour rassembler toutes les familles et j'y vais pour leur donner cette force. Bravo, bravo à nos femmes aujourd'hui qui s'investissent, qui font beaucoup de choses. Donc ce soir, spectacle Saint-Priest, je vous embrasse. Merci Adil, merci Kim. Je crois qu'il a envie, il a envie de boxer avec les mots. Attends, je veux. Attends, mais moi et Akli, c'est une histoire d'amour. La première fois que j'ai mangé du cochon, c'était avec lui. Et m'a dit, ah bon, voilà. Il m'a dit, ah, c'est un délice. Adil, il m'a dit, ah, c'est un délice. Ça fond dans la bouche. Kim, il a maigri depuis qu'il est revenu en Algérie. Il est chaud. Kim, il a maigri. Non, mais je déconne, Kim. Ce que dit pas Nounours, c'est que le cochon était halal, puisqu'on l'avait gorgé avant. Voilà. Et en direction Tizouzou.